Tout le monde, il y a tout le monde qui va se battre avec son doigt. Voilà. Les hommes ou les omelettes. En ligne, pas plutôt, non? Venez chez moi, on t'appelle Daniel. Arrêtez de calmer, vous calmez. Le dev ça. On remonte le golf vers l'entrée. J'ai pas du pitre. C'est quoi ton but dans la vie? Comment ça, son but dans la vie? Ouais, je comprends pas ta question. C'est quoi ton but dans la vie? Mon but dans la vie, c'est de m'en sortir, je pense, comme tout le monde. Pas mal. Pour une fois que c'est une autre réponse. Vraiment, c'est l'argent. Moi, je vous aurais dit l'argent. C'est ça, les bonnes amies. C'est donc ça. Ouais, c'est la rue. Ah, on voit pas un. Attends, y'a qu'une coachée là. Ça va, tranquille. Par contre, je vois qu'une des voitures. Ah bon, oula. Alejandro, t'en as assez. Les Bonelli, ne me parlez pas si vous m'entendez, c'est bien, mais attendez un peu, je ferme les yeux, je me les rallume là. Hop. C'est vas-y. Comment ça, Christian? C'est un problème. T'es un bon, t'inquiète. Corsis. Tu sais pourquoi t'es un bon? Pour qui? Parce qu'on est tous en ville pour s'embrouiller ou se faire de la guerre. On est là pour s'amuser, mec. Ah, moi je suis là pour faire la guerre. Moi je vais rien faire de la guerre. Fais la guerre, s'il te plaît, fais la guerre au Bonelli. Les Madrazo, Artec Madrazo, pardon. C'est quoi votre but dans la vie? Notre but dans la vie? Ouais. Alors, d'abord, je vais dire directement, nous sommes des hommes d'affaires avant tout. Et les hommes d'affaires, ce qui nous préoccupe, c'est la plata. Donc, tant que moi et mes hommes ont les poches remplies de plata, ben, c'est mon seul but. Et le vôtre? Après, tu sais, nous, on a toujours été un peu dans la cam, etc. Depuis, ça date pas d'hier, tu vois. Et voilà, prospérer sur la cocaïne. Nous et nos hommes, tu vois. Ce qui est normal. Pour avoir une vie tranquille. Ok. Non, pareil. Moi, si je peux rajouter, pareil. Qui dit plata, dit qu'on veut
du territoire. On veut que les personnes, les groupes, les crépuscules comme vous, qui veulent travailler avec nous, prospèrent. Après les ennemis, on va tous les éradiquer, les trouver un par un. Et voilà. Moi, j'ai connu des trucs plus durs à Mexico. Croyez-moi qu'on va y arriver petit à petit. Il n'y a que lui qui le fait tourner là. Attends, j'ai une question. Vous savez, dans le... chez les Mayans, il y en a qui ont des oreilles différentes des autres. Moi, je pense à tous ceux qui jouent genre quand on est. Quand est-ce que je dis. Il y en a qui sont là, des oreilles différentes. Moi, j'en vois ceux qui sont là de 4h à 6h. Parce qu'en gros, moi, j'ai été le premier à lever les mains et aller vers eux pour le truc de la transac. J'ai été vers eux, je me suis écarté et tout parce que ça criait trop. Et je leur ai dit, vous pouvez regarder dans les coachés, vous pouvez faire ce que vous voulez, on n'a aucune arma à part sur nous. On a que nos armes sur nous. Il m'a fait, je pense que c'est ce que tu cherches, du coup maintenant laisse-nous partir. Il m'a fait, bah vas-y, je vérifie et je vous laisse partir. Et là, du coup, j'ai dit ok. Et sauf qu'il ne m'a pas laissé partir. Mais non, mais ce qu'on a eu, Lissandro, enfin, Coltarman, qui a marqué sur une boîte Tech 9, et il m'a filé à moi, et je lui ai refilé. Et Arman, il a refilé le fils de pute au vice-président. Le vice-président avec moi, fait Tech 9, et voilà, et ils ont pris. Bon, et c'est pas moi, vous voulez mettre une spaghette. Comme par hasard. Je vais voir. A cause de sa poire là, t'as mis une fixette sur un truc. Un petit techno, je sais pas trop quoi. Viens voir. C'est ce qu'il m'a dit. Fuentes, bouge encore. Excusez-moi, président. Il t'a chuté, Fuentes. Bref, non, c'est bon. Quel est votre but à vous, le Voyant? Tu vois ce qu'on a tous sur le dos, là? Oui. Mais laquelle? Mon premier objectif, déjà, c'est ça. C'est le meilleur MC de 1. Le cuir qui sera représenté partout, je pense, comme votre polo et vos suites, etc. Exactement. Et pour moi, c'est ça le plus important. Après, bien sûr, la plata, mon club, bien sûr. Qui tourne. Il y a des motards de partout. Et voilà. Faire vivre todos. Attends, Chaco, ta mère arrête de crier. Bah écoutez, on va espérer que ça arrive pour vous. Oh là, il se passe quoi ici? Oh là là. Sa mère. C'est un attentat, tu crois? J'espère pas. Hein. Ouais, c'est passé un attentat en effet. Oh merde, c'était un attentat raciste. C'était un attentat. Seigneur. On a peut-être perdu nos frères. Non, pleurez pas, vous voulez un mouchoir? Non, je rigole. En vrai, je m'en bats les couilles. J'ai juste envie qu'on récupère les guns. Ah, d'accord. Ah, c'est. Waouh. Hasta la vista. Bref, je pense que c'est mieux que vous parlez pas, là j'ai pas en position de parler, donc restez calme. Moi y'a un truc qui m'importe beaucoup, c'est la nouvelle île à Cayo Perico, il la veut. Écoute, t'inquiète pas, Cerro 13. T'as des grosses ambitions, Cerro 13. T'as raison. Mais c'est vrai que on va voir.